Mesdames et messieurs, bienvenue à cette deuxième phase de l'aventure Miss Afrique Montréal 2013. Vous avez eu l'occasion et la chance de voir toutes les Miss pendant 3 épisodes, toute la délibération, toutes les filles qui ont été gardées, et maintenant nous sommes dans cette deuxième phase et la première activité. Effectivement, donc on est au parc de Montréal dans le quartier Huntsic. Nous sommes à l'extérieur, il commence à faire froid. Et les filles ont rencontré pour la première fois Herman Gujo, qui est en fait un coach de l'académie, celui qui s'occupe du volet sportif. Et elles font leur premier bootcamp. Vous pouvez entendre le son, on est à l'extérieur, les filles crient. Elles font beaucoup d'efforts, donc elles auront vraiment, vraiment, vraiment à fournir le maximum d'énergie pour cette activité-là. On va faire ça comme à la télé là. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ok, on va suivre les filles, on va arrêter, on va être un peu plus sérieux. Alors, c'est la deuxième phase maintenant, c'est l'académie. Oui. Donc il faut qu'on soit un peu plus sérieux. Oui. Donc on va aller vers les filles, on va voir comment ça se passait pour le sport. On fait la course pour le premier qui arrive là-bas. 1, 2, 3, 4. Ok, pour ce qui me concerne, ça fait ma troisième fois, si je ne me trompe pas, que j'entraîne des filles. Et puis, la plupart des filles que j'ai entraînées, je peux vous dire qu'elles étaient très résistantes. Donc, j'imagine, celles de la troisième édition, j'imagine qu'elles sont aussi si résistantes que celles soit de la première à la deuxième. Mais aujourd'hui, on va découvrir tout cela. Mais de mon côté, je suis convaincu, je reste toujours positif. Je suis convaincu avec mon entraînement, ce qu'on va faire aujourd'hui, vous allez avoir un avant-goût de qu'est-ce que c'est être une Miss. C'est vrai, ça demande des efforts, beaucoup d'efforts. Mais on va essayer aujourd'hui. On va essayer, c'est pas vous mettre la pression, je sais que vous êtes capable. Si vous êtes déjà rendu jusqu'ici, c'est parce que vous êtes capable, vous avez du potentiel pour être... Hein? C'est pas ça? Là, on va commencer par la cheville. Ok? Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On voit qu'il aurait porté plus de choses dans l'auto. Ok? Là, je vais compter jusqu'à 5. Donc, on prend plus de choses. Ouais. La fille qui aurait porté plus. Et elle doit mettre ça de son côté. Derrière, comme tu veux. Comme tu veux. Ok? Ok. Tu dois qu'il s'assoie. Allez, revenir. Ok. Allez. Non. Ok, très bien. Tu as porté plus que l'autre. Moi, je pense. 2. Push-up, 2. 3, 2. 2 push-up. 2, combien? 2. 2 push-up. Combien? 3 push-up. Yeah.
Regardez ça. Combien? Le ballon de Spider-Man, c'est pour les gars. 50 pas. Non, ça veut dire 4 push-ups. Pourquoi? Tu as triché. 1, 2, 3 et 4. Combien? Ok, un push-up. Hey, donc en fait, il fallait prendre moins quoi. 2, 3. Un push-up. Tu as deux ballons? Non, un. T'as qui? Moi. Ok, un push-up. Allez, t'as pas froid? Non. Un. Non, j'ai chaud. Deux. Combien? Non, je viens d'arriver. Tu viens d'arriver? Zéro. 10 push-up. 10 push-up, pardon? 10 push-up, come on. 10 push-up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On applaudit pour elle. Combien? Moi, c'est 2. 2. Oh, toi, c'est 2? Ouais. Ok. 1 et 2. Toi, c'est combien? 2. Et let's go. 1. Allez. Come on, come on, come on, come on. 2. 2. J'ai fait déjà mes pouces. Moi 3, mais ça, 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 3. Ok, 3, come on. Donc 4, come on. T'apprends si tu veux, hein. C'est 2, 1, 2, 3, 4, bravo. 2, come on. 2, comment ça tu as 2? 3, 1, 2, et 3, bravo. Vous avez fait combien de pouces à bout? Hein? Vous avez pris combien de push-ups? 15. Ok, pas de problème. Moi, je vais faire. J'ai fait combien? 15. Si pas vous entraîner tout à l'heure, vous pouvez faire 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 1 main. Ça, c'est super motivant de voir des filles qui sont sur le droit chemin et qui ils veulent grandir, évoluer, changer quelque chose dans notre monde. De vouloir être Miss, que ce soit Miss Canada, Miss Québec, Miss Univers, Miss Afrique, Montréal, etc. C'est de vouloir se dépasser, puis le sport, ça fait partie du dépassement. Ça fait partie de vouloir être juste une meilleure facette de nous-mêmes. Alors, je pense que ça fait partie intégrale de la vie en général. Je vais tester vos jambes. Parce que moi, là, le jour, là, je veux que quand j'arrive là-bas, même avant que vous ne montez sur le stage, là, que je souris déjà. Et que, ah, elle va être capable. Non, ça, c'est... Ok, là, élévation. Ok, au signal. Au signal. Élévation. On va commencer avec 30 secondes. 30 secondes élévation. On tombe en planche. Planche, c'est là. 30 secondes, on se lève. 30 secondes élévation. 30 secondes, planche. Hey, hey, hey. Aïe, aïe, aïe. Ok, ready? Quatre, trois, deux, un. Taille! Saut à la grenouille. Beaucoup de fois. Tu n'as pas vu? Là. Oui. Bébé. 5, 4, 3, 2, 1. Depuis tantôt, je regarde les filles, puis ah ouais, t'es vraiment excitée. Oh, t'attendais la balle, puis t'étais comme ouais! Ouais! Tu fais beaucoup de sport? Non, pas vraiment. Là, je danse juste. Mais je suis vraiment fatiguée, c'est vraiment intense. Je m'entendais vraiment pas ça. Mais t'as l'air vraiment motivée en tout cas. Oui! Les autres. Oui! On se motive, yeah!
Merci à la jambe gauche. Respire. Ok. Alors, ma très chère, qu'est-ce qui se passe? Ça va? Est-ce que tu vas mieux? Ouais, non, ça va mieux. Ouais. Qu'est-ce que t'as eu? Qu'est-ce que tu peux le dire? Ce que t'as eu? En principe, je ne dois pas faire beaucoup d'efforts physiques parce que j'ai une arythmie cardiaque. Donc, ça fait un moment mon cœur battait vraiment mal. Et là, je ne pouvais plus continuer. Mais ça faisait vraiment mal. Est-ce que tu as fait le petit minimum de sport nécessaire? Oui. Est-ce que tu sens que ça t'a poussé jusqu'à une certaine limite justement? Ouais. Pour, ouais. Donc pour toi, en fait, ton objectif est quasiment atteint pour la journée. C'est le sport qu'il fallait. Vous avez vu, à Miss Afrique, il y a quand même des battantes, quelles que soient les conditions physiques. On va quand même jusqu'au bout. Elle était consciente de ça, puis elle a fait jusqu'à sa limite. Et elle est là avec nous. Ça va mieux? Tu veux faire un petit cri de guerre pour moi, genre Non, tu veux pas? Si. Ok, on va faire un truc. Comme tu chantes. Ah oh, oui, je sais qu'elle chante. On va faire un petit truc. Je vais faire un beat et toi tu vas chanter. Un R&B, freestyle. Vous allez voir ça, c'est du freestyle, Miss Afrique. One, whatever. Non. Two, three, four. J'ai aucune idée de la chanson que je vais chanter. Peu importe. Freestyle-moi des mots, des trucs. Prêt? Ça, c'est 4-1, 4-2. On commence. 1, 2, 3, 4. When it cool off, I'ma cut my hood off, baby, and I have a six pack in the cooler. Getting money, leave us getting money. If you ain't getting money, then you ain't gonna be funny. Tell me something. Woohoo! That's what I'm talking about. Miss Afrique Montréal 2013. Elle rigole maintenant, ça veut dire qu'elle est back to back. Et elle va tout tuer. Merci beaucoup, Annie. Je t'en prie. Maintenant, moi, je vais aller. C'est pas dans mon contrat! Ouais, mais apparemment les filles veulent qu'on fasse des coups. Allez, tout le monde là! Allez! Allez! Go! Tu filmes? Non, attendez, la caméra! Elle est où là, c'est l'autre caméra? Pas hein. Allez, Willy! Allez! Go! 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 15, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15! Allez, chaîne! Bonjour, aujourd'hui on a fait du sport, c'était intéressant, on a eu du fun. C'était un peu chaud avec le froid, mais c'était bien. Donc c'est ça. Je pars au gym une fois par mois peut-être. Fait que c'était vraiment assez, c'était un peu difficile, mais j'ai aimé l'activité comme à sauter à la grenouille, là, quand on saute à la grenouille. J'ai beaucoup performé là-dessus, fait que j'ai beaucoup aimé ça. It was good, because now I think we're more motivated to really take care of ourselves and exercise a bit more than we usually do, so we will be in shape. And it was good testing our lower body strength, having the weights tied to our ankles. That was quite a challenge, but in the end it was good. And it proved our endurance, because most of us made it through till the end, all of us did. So it was a really good activity, and I'm glad we did it. So thank you, Miss Afrique Montréal. Little thanks. Après la main du jour, entraîneur Miss Afrique 2013. Et qu'est-ce que j'ai pu constater aujourd'hui concernant les filles et candidates qui vont participer au concours? Elles étaient vraiment résistantes et puis leur détermination m'a vraiment impressionné. Et je suis convaincu qu'elles vont atteindre leur objectif. Parce que juste le regard dans leurs yeux, elle dégage vraiment
quelque chose de spécial, c'est des filles qui veulent vraiment comme, atteindre leur objectif, qui est soit de gagner vraiment le concours. Donc, c'est quelque chose qui m'a vraiment impressionné. Et j'ai pu vraiment donner tout ce que je pouvais vraiment leur faire soit décliner de leur performance ou de leur capacité de conditionnement physique. Mais elles ont été résistantes. Et j'étais aussi impressionné. Quand c'est vraiment surpassé, c'est quand je suis partie au Nicaragua 2 mois avec des gens, des jeunes de mon école, puis j'étais loin de ma famille, j'étais dans un pays étranger avec une langue étrangère, avec des coutumes étrangères. Puis, c'est sûr que j'avais eu un choc culturel, comme ils nous avaient averti qu'on allait avoir. Mais je pense que je me suis bien adaptée, puis vraiment, j'ai bien profité de mon expérience. Puis, j'ai quand même découvert en moi une force que je ne savais pas que j'avais, l'autonomie, la force de caractère, et puis la facilité d'adaptation aussi. Donc, c'est ça. Après une journée intense en activité et d'efforts physiques, les filles se retrouvent ce soir au Time Stopper Club, invitées par un fan invétéré de Miss Afrique Montréal. Alors, je vais juste lancer un petit message aux fans éventuellement. Vous avez quand même l'occasion de voir nos Miss, malgré que vous les voyez derrière un petit écran. Donc, vous avez vu que vous pouvez prendre des initiatives comme inviter les Miss. Et c'est à qui de droit de le faire. Mais on va aller voir ce qui se passe maintenant et on va voir l'ambiance du Time. On y va. On fait la course jusqu'à là-bas.